Hey, Lola Level Down TV, bonsoir Level Down, coucou à vous pour la rediffusion sur YouTube. J'espère infiniment que vous allez toutes et tous bien. Nous allons faire un deuxième stream en cette journée du vendredi 12 janvier. Quelque chose que j'attendais depuis très longtemps, un jeu qui est certainement je vais vous faire en live, qui sort fin janvier. Je veux bien sûr parler en ce 12 janvier la bêta de Dissidia Final Fantasy NT. J'espère que le stream avec Madame et Nilan vous auront plu. Écoutez les amis, nous sommes partis de 20h à 22h. Et bien pour découvrir cette bêta qui est sortie tout fraîchement sur PlayStation 4, on va mettre directement le son. Et je vais vous demander si tout est ok au niveau du son, du commentary, du jeu, etc. etc. Tu me places en plein écran, merci la PS4. Elle a eu son jus d'orange. J'espère que ça va. J'espère infiniment que ça va bien. Bonjour Zach, ça fait plaisir de te voir. Bonjour Red Wolf. Bonjour. Bonjour madame, bonjour Nilan, bonjour de Zach. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un beau stream. Je place beaucoup d'espoir dans ce jeu, je vous rappelle, de combat qui regroupe tous les héros de Final Fantasy. Le faire en live, dommage qu'il n'y a pas grand chose à faire en live. Moi, on m'a dit qu'il y avait des trucs dans le mode scénario qui n'étaient pas terribles. Mais j'ai envie de le proposer, ou à moins qu'on le fasse en format vidéo. Il faudra que je vois, ça sera en fonction de la bêta. Donc, en gros, Dissidia Final Fantasy, il y en a un qui est sorti sur PSP, il y en a le 012, donc un deuxième qui est sorti sur PSP. Je vous avais fait une sorte de découverte, c'était à mon anniversaire cette année en live, je m'en souviens, de ce Dissidia Final Fantasy, le tout premier sorti sur PSP. J'avais aimé sans aimer, c'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça sentait que c'était un jeu PSP. Donc on va voir ce que c'est, je ne sais pas du tout, je ne me suis pas plus renseigné sur cette bêta, à savoir si c'est du mode multijoueur, à savoir si c'est du mode solo, je n'en sais rien, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà découvert et beaucoup saigné. Il n'y a pas de mode scénario, mais si Zach, dans ce NT Dissidia Final Fantasy, il y a du mode scénario, si, il y a du mode scénario, ça a été confirmé. Oui, ça va très bien, merci. Mais si, il y a du mode scénario. Il y a du mode scénario dans ce troisième Dissidia Final Fantasy. Allez, PlayStation 4, on y va. Et j'espère que ça va aller. Quand je vois tous ces persos déjà, ça me fait trop envie. Alors là, c'est, je crois, les guerriers de la lumière, hein, c'est ça? J'espère qu'ils vont nous mettre la belle cinématique. S'ils nous mettent pas la belle cinématique... C'est des histoires différentes par perso. Ah ouais, oui, a priori. Mais j'ai l'impression que... Pour en avoir parlé. Quoi ? Koei Tecmo Games. Quoi ? Team Ninja. Mais non ! C'est en français. Oh. Attendez, parce que pour la première fois, rappelez-vous qu'on va avoir Noctis. Français. Choisissez la langue des voix. Ah, mais c'est japonais, mais japonais ! Non, anglais ! Lancez le jeu avec les paramètres ci-dessus. Oui. Cette icône indique des données, oui, son cours de sauvegarde, blablabla, ok. Nouvelle donnée utilisateur créée. Ah, on va voir la cinématique. Je me tais. Let's go.
Mais classe, hein. Très très classe. Hein. Wow. Alors, je lirai vos commentaires juste après. Assurez-vous. Alors, la cinématique, je la connaissais. Hein. Ok. Alors, non, faut faire des combats en ligne pour gagner des points. Quoi? C'est quoi ce délire? Faut faire des combats en ligne pour payer des points et ensuite pouvoir acheter les cinématiques pour l'histoire apparemment. Une fois tout acheté, ça fera un film d'environ une heure comme les KH. Hein? Le dernier jeu Final Fantasy que j'ai joué, enfin dans les non-canons, c'est World of Final Fantasy qui est pas fameux. J'y ai pas encore joué, il est prévu, World of Final Fantasy. Comme d'habitude, tu sais que je ne parlerai pas beaucoup, je joue. Pas t'inquiète pas, Odoza, je t'inquiète pas. Non mais moi j'avais lu qu'il y avait un mode scénario, non mais... Alors c'est ça le mode scénario? Bon déjà, achetez le jeu, hein. Je ne suis pas en opération sponsorisée, hein, je le dis directement au cas où, parce que bon... Disponible dès minuit le jour de sa sortie, version téléchargeable. C'est quoi cette voix? Team Ninja. Attends. Hop. Bon, je veux savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, je pense qu'il va y avoir un didacticiel, hein, pour savoir comment marche le bordel. Tu joues au camion en même temps. Ça, c'est très bien. Ok, démarrer. Mais en effet, ça va être des combats en ligne. Quoique, non, ça veut rien dire. Vous avez été appelé ici pour vous battre. Materia et Spiritus, les deux piliers qui soutiennent ce monde, souhaitent assister à une confrontation. Et... Commencez par choisir la force qui soutiendra votre combat. Ah, c'est les G-Force. Enfin, les invocations, non? Elles sont 7, je crois. C'est ça! 3, 4, 5, 6, 7. Choisissez une pierre, vous obtiendrez grâce à elle la protection d'une des invocations. Il n'y a pas de mode solo comme sur les versions PSP, c'est pour ça, perso, très déçu du jeu. J'attends de voir les gens... de faire en vidéo une fois le jeu sorti pour voir vraiment à quoi ça ressemble. Salut à toi Lagron, bienvenue, j'espère que tu vas bien, t'as passé une bonne journée. Mais tu peux pas me dire laquelle c'est? Hein? Mais... tu peux me donner s'il te plaît qui est quoi ou... Ouais, ça va très bien Lagron, je te remercie. Perso, tu joues à Binding of Isaac. Ce serait marrant que je me mette dessus. J'en sais rien, moi. Choisissez entre 1 et 7. Choisissez le chiffre. De toute façon, on a 2 heures pour tester. Hein. Allez, dites-moi des chiffres. Entre 1 et 7. J'ai joué à sa version... Il n'y a pas eu de version Dissidia Final Fantasy PS2. C'est que sur PSP. 6. Ah, tu parles d'Okami, pardon, Red Wolf. What? Ah, d'accord. Excuse-moi, Red Wolf. Excuse-moi. Tu parles d'Okami. Autant pour moi, excuse-moi. J'avoue que le 7 me tente bien. Le 6 ou le 7. En fait, quel Final Fantasy je préfère entre le 1 et le... Alors, oui, il faudrait peut-être que je vous en parle. Je me répertorie comme un connaisseur de Final Fantasy, mais pas trop aussi à la fois. Je m'explique. De mon côté, ou même en live, j'ai fait... le 6 au 15 compris. À part 13-3. Lightning Returns. Il faudra un jour que je vous fasse. Mais... je sais qu'il y a des personnages que je ne connaîtrai pas. Je pense à Cécile, je pense au Chevalier de la Lumière, je pense à d'autres persos. Mais vous serez là pour m'épuyer, pour m'aiguiller, pardon, pour me... voilà, m'épauler, tout ça. Et vous savez quoi, si je préfère entre FF7 et FF6, FF5, FF4, FF3, FF2, FF1, c'est bien sûr FF6. Ramu.
Un patriarche fulgurant, au regard perçant dont le bâton renferme une sagesse infinie. Sa plus d'éclair foudroie le champ de bataille. Il octroie la puissance des aptitudes EX, renforçant les alliés. Go. Fort bien, à présent il va vous guider. Ah, Mog! Your purpose in this place, however, is to fight, fight, fight. And as long as you keep at it, your efforts will be rewarded, Koopa. Let's not get ahead of ourselves, though. There's still so much you need to see and learn. As you continue to clash, you'll recover myriad memories of this realm, Koopa. C'est ce que tu expliques, et alors, Zach. So how about it? Shall we practice the bare basics of brawling, Koopa? Les moustaches, sérieux. J'avoue avoir toujours préféré Final Fantasy IX. Tiens, justement, je crois que c'est le Ramu du FF9, ça. Oui, j'ai l'impression aussi. Koopa Koopa ? Ben écoutez, je connais pas le principe du jeu, donc oui, hein. Moi me battre. Ouah! Apprenez les bases du combat directement sur le champ de bataille. Choisissez un personnage. Tutoriel peut être joué à tout moment. Appuyez sur rond à l'écran pour choisir ce mode. Ok. Oh! Ah, ça, ça va être bien. Alors, le guerrier de la lumière FF1. FF2 Firion, je connais pas. L'Empereur. FF2. Chevalier Oignon. FF combien ça? Dame qui va être contente, ouais. J'arrive pas à lire le FF. Bon, Kuja FF. Non, c'est. Ah non, Cécile. FF4. Le fameux Cécile que je vous ai parlé. Bon, là, Chevalier Oignon, c'est FF3. Final Fantasy 4, Cécile. Golbez, je pense que ça doit être... le mal. FF5, Bart Clouser. Ah ouais, ils ont fait la totale. Bon, là, ça me parle. Cécile, ça me parle quand même. Cécile me parle. Ensuite. Bien sûr, Terra de FF6. Hein. Bien sûr, Cloud de FF7. Bien... C'est sensible, je trouve. Squall de FF8, Jiden de FF9, Jekt de FF10. Alors à savoir que, si j'ai bien compris, Jekt il était compris dans le monde de la lumière, dans Dissidia Final Fantasy 1, et dans le 012, dans le 2, ils l'ont passé du côté du mal. C'est ça? Lightning FF13, Ishtola de FF14, et Tactics Ramza Beowulf. Je connais pas. J'avoue qu'il n'y a même pas Tidus. Mais alors, je crois que c'est parce que c'est compris dans les journées où on va tester la bêta. Parce qu'elle est disponible jusqu'à début février, je crois. Et que pendant les 3 ou 4 premiers jours, on a, j'ai vu ça sur Twitter aujourd'hui, ce premier jet de personnage. C'est vrai qu'on n'a pas Tidus. Allez, à votre avis, qui je vais choisir? À votre avis. Parce que... Vous me connaissez, j'aime bien les FF, hein, je les ai tous fait en live sur la TV et tout. Fait depuis 2 ans maintenant, hein, tout ça. Comme premier personnage, je vous demande pas votre choix, mais ce que vous, enfin ce que moi, je vais choisir. Ce que vous pensez que moi, je vais choisir. Quel est mon FF préféré? Dans 012, Jack dans le camp des gentils. Hein? Et dans le camp des méchants, Cloud, Terra et Tidus. Non, c'est l'inverse. Moi, je dis que... Tu m'as pas connu à cette époque quand je suis arrivé sur la TV, Zach. Mais l'une de mes meilleures aventures... Même si FF10 est mon FF préféré... Non, c'est Lightning, bien sûr.
Hein? Charge éclair. Bon, on va faire présélection A, voilà, tu valides. Hein. Select a summon, Kubo. Ok. Ton invocation. Ah bah, je peux... Même pas Noctis en premier G. Attendez. C'est une bêta, hein. C'est pas le jeu complet, hein. Bon, on sort en plus sur les bases et la règle du combat. Ah, mais c'est un remix du prélude que je vous ai mis. Ouais. Ok, vas-y. Déplacement à la caméra, on va tout faire, hein. Commençons par les déplacements. Ouais. Rond pour sauter, blablabla. Ok. Ok, donc les trois sauts, déplacement de la caméra. Le changement de cible est le verrouillage. Je suis désolé si je passe par le didacticiel, ça va être rébarbatif, mais j'en suis obligé. Je connais pas comment fonctionne le jeu. Le ciblage. Oui, bon, bah c'est bon ça, ok. Alors, appuyez sur L2 pour cibler, l'adversaire se trouve à gauche. Ah, d'accord, L2, R2 pour gauche et droite, d'accord. Et un pour cibler l'adversaire le plus proche. Ok, blablabla. On sera pris. Mon ciblage. Ok. Bah oui, bah. C'est pour ça que tu demandes à chaque nouveau qui est Lightning. Bah, bien sûr. Mais. Ah. Mais j'appuie. Voilà. C'est long, hein? Le système de bravoure. C'est quoi cette musique? Maintenant, parlons du système de bravoure. Outre la jauge de vie, les personnages possèdent une jauge de bravoure. Que sur quoi pour lancer une attaque de bravoure? Celle-ci touche votre bravoure. Celle-ci touche, votre bravoure augmente. Et celle de la cible diminue. D'accord. La bravoure représente la puissance des attaques PV d'un personnage. Une attaque à carré permet d'infliger le même montant de dégâts au PV que votre bravoure. Oh là là, attendez. Salut Tikal, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. T'as passé une bonne journée? C'est quoi ce... Non, c'est quoi déjà ces trucs entre carré et truc là? L'attaque de bravoure n'a pas suffi. Spell, fourrer, on a ça, une faille. Hein. Ouais, c'est là. Ok. Alors, créer une faille chez l'adversaire. Mais... Vaincre l'adversaire avec une attaque PV. Attends, j'ai pas compris la différence entre les deux. Carré, ça serait l'attaque PV, et croix, ça serait pour casser la barre. Ça va, si quelqu'un peut m'expliquer, j'ai pas compris. Le sprint. Il existe plusieurs modes de sprint. Ok, avec R1. Ok. Non mais non, je veux faire ça moi. Ah ouais, pas mal. Courir sur un arbre. Waouh! Les manœuvres de défense. Alors ça, c'est le remix de FF9.
Passons à présent en revue les méthodes de défense contre les attaques adverses. Donc L1, c'est le bouclier, d'accord. Oh ! FF10 ! Le combat de Seymour, le thème de Seymour ! Ah ! Ce bouclier est progressivement érodé par les attaques, d'accord. Il passe par différentes couleurs, vert, jaune et rouge. Ce jeu, je viens de le DL, j'ai tenu 20 minutes. Salut à toi, Yangui, ça m'a bienvenue, j'espère que tu vas bien. Beau bug, il était passé où là ? Mais ça s'appelle un effet de caméra. Deux types d'attaques, bravoure et HP. Bravoure, d'accord, donc bravoure, c'est avec croix, te permet d'augmenter la puissance d'attaque, d'accord, le nombre au-dessus de la barre de vie. D'accord, ok. Et carré avec carré, ça serait plus traditionnel et c'est... D'accord, ok. Très bien. Blablabla, oui, c'est bon. Hein, je veux... Mais non ! Ok, tu veux que je fasse quoi ? Faire un pas de côté, d'accord. Ah ! Ok. Lorsque tu fais une attaque HP, ensuite cela fera des dégâts selon le nombre de bravoure que tu as. Est-ce que la bravoure, c'est en fonction d'un pourcentage de force que je vais augmenter après pour appuyer à carré ? C'est ça que je veux dire. Ça va augmenter, disons, ma... Comment on appelle dans le jargon ? Ma vigueur. Certainement. Les aptitudes. Parlons maintenant des aptitudes, qui permet entre autres de renforcer vos alliés et d'affaiblir vos adversaires. Ok. Je passe. Moi je passe, je veux jouer. Ah, est-ce que ce serait pas des compétences ? Ok, c'est ça. Alors, je pense qu'il y en a une quand on est au corps à corps et une quand on est loin. Un peu comme un mort berserk. Les invocations, ça j'ai hâte de voir. Par exemple, à cette puissante créature, vous assisteront au combat lorsque vous ferez appel à l'aide. Appel à attaquer, vous conférez des effets bénéfiques à l'équipe. Blablabla, ok. Il faut d'abord remplir la jauge d'invocation. Ok. Cibler le quartz. C'est qui ça? Ah. Attends. Non mais le quartz il est là. Voilà. Remplir, tu vas. Ok. Appeler une invocation. Et ben. Ah, tu laisses appuyer, pardon. J'ai très peu joué à Dissidia, j'ai joué le tout premier A à peu près, à l'époque sur PSP. En tout cas, les musiques est un très bon point. Les messages de chat. Ok, donc ça c'est pour le combat en ligne. Lorsque tu attaques un perso avec une attaque bravoure, cela va diminuer la bravoure de l'ennemi et augmenter les tiennes, d'accord. Lorsque tu feras une attaque HP, ensuite ça fera des dégâts selon la bravoure que tu as. D'accord, ok. Utilisez un message de chat. J'ai pas lu. Ah, voilà. J'éliminerai, voilà. Voilà. Bravo! Les musiques m'ont saoulé, c'est des remixes dégueux la plupart. Heureusement que les originaux sont là. On verra. Les conditions de victoire. Ouais, bon, si les PV tombent à zéro, il n'y a pas de souci. Hein. Ah ! So this is how it is. Better keep a cool head.
vaincre l'ennemi. Ok, vas-y. Donc là, en blanc, c'est la bravoure, c'est ça. Et ce qui est en violet, c'est les HP. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Entraînement match standard. Ok. Foes such as these will not trouble us. Let's show the other team what we're made of. That's tellement beau. Well met. C'est un peu le bordel, mais c'est marrant. Ah! Bon. On va mettre maintenant tout ça en pratique. J'ai loupé ma cible. Vas-y, cours après! Vas-y. Ok, c'est bien ça. Mais... T'es mort? Ah là là là! C'est quoi ça? Non, Terra! Ok, oui, attaque le. Ouah! Désolé, je regardais pour l'invocation. En tout cas, c'est beau. Hein. Ok, donc là, je prends des points de bravoure. Hein. Par contre, c'est chiant. Ils sont longs à se remettre sur patte. Ça se va français. Hein. Ok. Ouah, c'est un peu pété là. Wouah! Attends, je l'ai pour l'instant. Wouah! Terra, viens là! Terra! Jeune fille sans nom. Tiens! Leave not but ashes behind. Ah, c'est le Ifrit de FF9, non? Attendez, je sais qu'il y a du monde qui vient d'arriver, je comprends rien à ce qu'il y a à l'écran. Il y a trop de choses!
Là, ça veut dire qu'ils m'ont ciblé, hein, je pense. Flamme de l'enfer, ouais. Oh là là, 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 oh là là. Mais j'ai... Oh. Faille. Un croix d'invocation est apparu. Déjà, je... Oh mais... Foutez-moi la paix. Ok. Il me reste 884 de PV. Putain. Viens là. Arrête d'esquiver. Et en plus ça s'est transformé. Mais what? Non mais... Bien sûr que c'est l'arrachement. Salut à toi S-Gamer, je crois que tu vas bien. Dans le tas là. Voilà. Mais pourquoi elle est... Attends mais toi là. Mais c'est quoi le 2303 que j'ai au-dessus de mon de mes HP, enfin, de la barre bleue? C'est mes HP, hein. C'est rien. Là. J'ai gagné. Ah, je vous avais prévenu que c'était assez compliqué, hein. Non, c'est la bravo que t'as, je crois. Ah bon? Mais alors. Là, on a l'expérience, là. Là, on voit en fond, j'ai une barre bleue, c'est mes HP, et le 1000, c'est la bravo, alors, c'est ça? Donc, bonjour à toi, Misaki, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Mais je pense que c'est le effet de FF9 aussi, hein, je suis d'accord. Alors, les HP se trouvent en dessous, je pense. Les HP, c'est la barre, non? Barre bleue, c'est les HP. Le nombre de 6, c'est la bravoure. La puissance d'attaque, voilà, c'est ça. Donc, on... merci pour tous tes renseignements, Zach, ça fait plaisir. Ok, au moins, comme ça, c'est clair, net et précis. Ok. Revenir en arrière. Les techniques avancées. Je suis obligé de faire tout ça. Vas-y ça. J'ai envie de... Ouais, on va revenir à l'écran de suite parce que j'ai pas envie de faire que du didacticiel pendant longtemps, là, je me dis. Au pire, on fera ça plus tard. Alors. Combat en ligne, trésor, obtenir des objets, ouvrir des trésors. Ah, on peut avoir des combats en ligne. Trésor, ouvrir les trésors obtenus au cours du jeu. Ouais, ça va très bien, je te remercie. Ouvrir le trésor. Oh, on se croirait sur Overwatch. J'ai obtenu un cadeau.
Larsa de FF12. Larsa. Oh, c'est le prince. Tarask de FF9, ok. Et Ven de FF12. Oui. Boutique. Bon, on va pas se faire déplumer un peu de temps. Donc moi, je vous propose de faire un combat hors ligne. Se lancer dans un match à la chaîne au cours des raids accessibles rapidement. Match libre. Ok, donc mode express. Choisir les règles et lancer un combat contre l'ordinateur en 6 manches. Enfin, j'ai que ça. C'est quoi ce qu'on appelle un combat au quart, au quartz? Vine ou van? D'ailleurs, ils n'ont pas mis van dans la bêta, très bon choix. Mais je rêve de van tous les jours, vous le savez! Bonjour à toi, observateur, j'espère que tu vas bien. Regarde le tuto pour savoir. Va te faire, Zach. Combat standard. Okay. Écoutez, moi, voilà quoi, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de dire... Prenons Terra. En deuxième, on va prendre... Jidan. Et en troisième, on va prendre... Cloud. Voilà. Une bonne équipe, ça. Bonsoir, Aline. Bienvenue. J'espère que tu vas bien. Perso, s'il y a Jidan, Tidus, Cloud ou Noctis, ça me va. Ouais, pas de soucis. Et on en parle de Ven. Je me ris de Ven tous les soirs. Hein, je me ris de Ven tous les soirs. Non. Tu fais ça, voilà. Voilà, tu valides. Non, mais c'est bon. Prends Terra, voilà. Attaque PV, voilà. Tu fais ça. Voilà. Tu fais lancer le combat. Et on va voir ce que ça donne. Ok. Alors, Alexandre FF9. Bah, Alexandrie FF9. Voilà. Mais j'en ai qu'une. Bah... Ah, c'est un chargement, pardon. Oh, ils ont Bahamut. Oh, les salauds. Ils ont Bahamut. Oh, vous avez vu la tenue de Squall? Ok, donc la jauge bleue, les HP, j'en ai 3600. Non mais... Ah ouais, par contre, elle va être lente. Allez, mais attaque! Voilà. On va casser sa barrière, là. Qui sort de Glacier X là, je suppose. Use leur skill, Koupo. What? Allez, boum. Ok, la bravoure remonte au fur et à mesure une fois que j'ai tout utilisé avec l'attaque. D'accord. Et elle attaque à distance. Ok. J'utilise mes skills, voilà. Je t'écoute. Allez, eject. Mais arrête d'esquiver! Elle est lente! Paille. Oui, c'est maintenant qu'il faut attaquer. C'est maintenant! Aïe! Mais Squall! Elle, je t'ai rien fait! C'est quoi cette tenue? Depuis quand t'as... Truc de blanc comme ça. Mais c'est trop le bordel ce jeu. Mais alors c'est vraiment beau et sympa par contre. Vas-y, utilise ton skill. Voilà. Arrête de me parler le mog. Arrête de me parler. T'es chiant.
Mais j'utilise mon skill, regarde. J'utilise, regarde. Je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Tiens. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais... Ah, pardon. Oh là là, mais je... Attends. Protège-toi de Bahamut. Mais va te faire foutre, j'utilise mon skill, je fais tout ce que je peux. Laisse-moi découvrir le jeu. Ok, toi t'es une petite saleté. Mais alors, à un moment, j'ai battu Ject. Parce qu'on a le droit... Alors, attends. On était à une attaque de... Une attaque à PV. On avait 6 vies au total, c'est ça? Comment ça se passe? Quelle est ma condition de défaite, là, en fait? J'ai utilisé... Je suis mort 2 fois. Mais deux autres personnages sont morts 2 fois aussi? Quand la bravoure est violée, Tessa, tu veux dire que tu peux le tuer, ça n'a pas changé, d'accord? Si, d'accord. Donc Terra attaque à distance, ça je l'avais compris. Tu peux avoir 4 attaques PV et 4 de bravoure. Avec en plus certaines attaques bravoure qui s'enchaînent sur une attaque HP. Donc tu peux avoir une dizaine d'attaques différentes. Donc sur celui, les persos ont l'air très limités. En haut à gauche, tu as les barres de vie des équipes. S'il y a 3 morts dans une équipe, elle aura perdu. D'accord, ok. C'est bon. Il y a des barres en haut à gauche. Ok. Il y a trop... Enfin, comprenez-moi que rien que déjà quand je joue, il y a beaucoup d'informations à l'écran. Je cherche pas d'excuses. Hein. Mais, vous le voyez vous-même, il y a beaucoup d'informations à l'écran. Mais, regardez, j'ai un rang A. Je suis pas si mauvais que ça. Voilà. Dame sans nom est une poufiasse, mais Dame sans nom, on est arrivé juste après elle. Voilà. Donc, page suivante. Tu gagnes quoi, alors? Ok. Donc, j'ai de l'expérience en fonction de mon idée, donc, Falken. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, on n'était pas si mal que ça. Bah oui, enfin déjà que je comprends rien, enfin hein, j'aurais bien compris sous forme d'un 1v1, mais c'est la grosse nouveauté, c'est le 3v3 quoi. Dame sans nom, c'est Chantoto. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas ce personnage de FF. Là, ça on va voir. Vous avez obtenu des gifles. Ah bon? Ah, on peut acheter, d'accord, dans la boutique, d'accord. Bien. Bon, il est 52, on a le temps de se faire un autre combat. Combat standard. Voilà, on va prendre un personnage, voilà. Attendez, Dame son nom, c'était qui? C'était qui? On aurait dit un Mog, moitié. C'était qui s'appelait Dame son nom? Chevalier Oignon? Vous savez quoi, on va essayer de Jet. Je vais prendre Terra parce qu'elle attaque de loin.
et Lightning. Voilà. D'accord, tu lances le combat. Chante Toto dans FF1, mais elle n'est pas dans la liste. D'accord, autant pour moi, mais je ne connais pas, vous le savez, de FF1 et FF5, hein, je voulais préciser. Hein. À part Cécile de FF4. Je comprends pas la différence entre ça et ça. Ah, pardon, c'est les personnages. Ok. Bah écoutez, on va essayer comme ça. Hein. FF11, pas FF1. Oh, et c'est bon, hein. Tu vas recevoir une claque, Zach, hein. T'as qu'à apprendre tes classiques. Je l'ai dit que c'était dans FF11, hein. Voilà, maintenant, tu me charges, s'il te plaît. Ah, classe. Ok, monsieur l'empereur, je vais te détrôner, tu vas voir. Ok, déjà, c'est un combattant d'attaque. Oh, pas mal. Allez, attaque. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Tu peux pas te taire. Ouah, toi. Ouah, non mais attends, je me face à... Non, tais-toi, tais-toi. Oh. Wow. En fait, ça a l'air d'être un bourrin, je pense, Jack. Comment il peut voler comme ça, lui? Ok, je veux casser sa barrière. Non, par contre, tu peux pas parer quand il te fait un combo, c'est chiant, chaud. Tiens, use your skill, tu vas voir. Mais... Faible. Voilà. Tiens! Mais c'est nul! Ouah, j'ai fait un truc de fou! Voilà. Ok, donc ouais, c'est ça. Attends, Tiens, je vais pas quitter, mais je vais te tuer. Mais... Tiens, je joue sur skill, là, tu vas voir. Mais non! Ouais, sur PSP, c'est l'inverse, ouais, en effet. Yeah! Bouclier! Esquive, essaie d'esquiver. Ok. Je vois rien. Attends. Parce que... Wouah! J'ai pas beaucoup de bravoure. Il est lent par contre, Jake, mais alors il tape fort. Casse-toi de là! Wouah, toi. Rétablis-toi. Mais. Ok, il va falloir que j'apprenne sérieusement un truc dans ce jeu. Je vois la jauge de Ramu qui augmente. Parce qu'il faut que j'aille vers le cristal, hein, c'est ça? Oui, bon, je use more skill, t'inquiète pas. Tiens! Ah, mais moi aussi je peux voler, regardez. Ouais. Je suis d'accord. Strike fear into their hearts.
Ok. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? N'hésitez pas à me le dire, s'il vous plaît. Ok, donc les 4 classes du perso. Il y a 4 classes, d'accord, dans le perso, d'accord. Jack fait partie des combattants lourds. Donc je vais apprendre un peu plus à plus se rusher, comme on dit. Pas de soucis. J'attends que ça remonte. Hein. Ok, vous m'entendez, mais l'image est frisée normalement. Donc en gros, je vous explique. Depuis le début de la semaine, Twitch, à partir de 20h, il y a beaucoup de monde qui se connecte ou qui stream. Et moi, en après-midi, je n'ai pas de soucis. Et en ce moment, il y a pas mal de petits soucis, donc on va attendre que ça règle. Moi, de mon côté, je sais que la 4G n'a aucun souci. J'ai mon boîtier là qui me dit au niveau du voyant que tout est parfait. Voilà, et vous allez voir que ça va revenir. Normalement, là, ça va revenir. J'espère. Quoique. Normalement, hein, j'y viens normalement. Ça fait le même souci avec Sekai qu'hier, en fait. C'est trop bizarre. J'attends... Vous savez quoi, au pire? Je vais envoyer la pause. Et on se retrouve le temps que ça se restabilise. On fait comme ça? Allez, je vous dis à tout de suite. De toute façon, il est 21h, on va envoyer la pause, comme on dit. Allez, à tout de suite. C'est le boss qui vous parle. J'en ai assez d'attendre. Je veux ce Pikachu. Cette fois, vous avez intérêt à réussir. Nous sommes de retour. Pour vous jouer à mauvais tour. Un jour, nous serons plus riches que n'importe qui. Je serai reine. Et moi le bouffon. Quel déveine. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de protéger le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin de dénoncer l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie lactée. Jesse. James. Sera la guerre. Team Rocket, on vous la propose, on ne vous
vous jouez un mauvais tour. La Team Rocket est une bande de roublards qui veut capturer tous les Pokémon rares. Je suis si belle. Et moi si particulier. Vous n'êtes que des pions sur mon échiquier. Nous sommes les plus terrifiants. Personne n'est aussi méchant. Tout le monde nous craint, sauf ces salmandeux. Ah, ces salmandeux. On creuse des trous partout. Personne ne tombe dedans, sauf nous. Mais on les aura. On est astucieux. Cette fois, ça risque de fonctionner. Est-ce que vous avez fini de jacasser? Ils arrivent! Nous sommes de retour. Bon, de retour les amis, vous n'avez pas encore l'image, c'est normal, j'ai mis mon écran de pause. Déjà, j'espère que la pause s'est bien passée. Twitch me fait n'importe quoi et je confirme de mon côté, tout est ok. Je dis bien tout est ok, la 4G est très bonne. Ça vient vraiment de Twitch, ça c'est sûr et certain. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais attendre quelques instants, le temps que vous ayez eh bien, un petit peu ce débrief, et je vais relancer tout de suite après. Ok, on fait comme ça? À tout de suite.
Heureux. On remercie Twitch. Deux fois, j'étais obligé de relancer. Bravo, 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 bravo. Tout est bien. Encore une fois, merci de penser pour la rediffusion au local recording. Bravo, Twitch. Bravo. Nickel. J'adore. Re tout le monde. J'espère que ça va. Ok, ils sont micro activés, pas de souci. Donc je vous confirme bien de mon côté, je le savais que tout était ok. Bref, on est de retour dans le combat. J'ai juste invoqué là ce que vous avez plus ou moins loupé vous pour la TV Ramu. Parce que ma jauge était complète. Et je vous propose que nous recommencions maintenant tout de suite comme il faut. Bruit angélique. Alléluia ! Oui ! Ça m'énerve parce qu'en plus on a perdu. Ah non, je disais on allait perdre tous les viewers, mais non en fait. Non, c'est bien, au moins si ça s'auto-actualise, c'est parfait. Allez, on poursuit le combat. Oui, alors attends, je suis pas prêt là, attends. Je suis pas prêt, tu me remets en condition. Voilà. Plein écran. Et on poursuit le combat. Allez, il y a la faille. Viens là. Putain, mais viens là. Mais non, mais il veut pas toucher. Viens là. Viens là. Mais non. Putain. Viens. Voilà. Faille. Faut que je l'ai. Mais non, mais il est trop lent. Voilà. Ok, donc là il en reste une vie. Donc là, j'ai gagné. Tu te fous de ma gueule, Twitch? Tu te fous de ma gueule? Vous êtes adorables dans le chat parce qu'honnêtement vous avez de la patience. Hein. Moi sérieux, là ça me fait péter un câble hein, quand je vois ça. Et je sais très bien que ça vient pas de moi. Je sais très bien que ça vient pas de moi, c'est ça le pire. Twitch, faudrait peut-être un petit peu améliorer vos serveurs, hein? N'est-ce pas? Que dire? Bah ouais, que dire? Plein de lag. De toute façon, je sais hein, ce que vous avez à l'écran, hein. Rassurez-vous. Hein. Waouh. Ça doit être pire que l'ADSL, là. En fait, il y a l'image qui doit friser. Go Dailymotion. C'est la belle vie, Dailymotion. On n'avait pas de soucis, hein, Dailymotion. Hein. On n'avait pas de soucis sur Dailymotion, hein, sans blaguer. Non, mais en fait, pour vous dire, là, c'est tellement la génialissitude... Que normalement j'envoie 2500 de bitrate. Là je suis à 140 quoi. Tellement que c'est la... C'est tellement que c'est génial quoi. C'est parfait. C'est génial. Et je viens de faire un test que je vous ai envoyé. Hein. En ascendant j'ai 13 mégas. Je vous laisse aller voir le lien que vous avez. Mais tout va bien. On ne va pas rager. N'est-ce pas hein, comme d'hab.
On ne perd pas 36 000 minutes à chaque fois à vérifier que tout est OK. Et après, on va me dire, mais ça vient de toi. Non, ça ne vient pas de moi. C'est sûr et certain que ça vient pas de moi. Y'a de quoi péter un câble. Y'a de quoi péter un câble. Oh, mais c'est génial. Oh là là là. Oh, mais c'est... Oh là là. 443. Oh. Mais c'est... Oh. On en redemande, hein. Miam, miam. Sorry. Le combat le plus éternel de votre vie, je crois. Pourtant, le jeu est bien, hein. De rien. Bah ouais, ce que j'ai envoyé. C'est bien ça. Je rappelle que c'est le pleud hein, qui compte, hein, c'est l'ascendant. Hein. Tout va bien, hein. Non, mais tout va bien. Oh, mon Dieu! Il est remonté! Oh là 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 là! Mon Dieu! Il est remonté, vous me voyez! Oh là là! Merci, Twitch! Merci! Merci à toi! Oh my God! Oh, ouais! Oh! Génial! C'est bon! Oh! Je suis rassuré! Oh, ouais! Oh, c'est génial. Poursuivre le combat. Re. Bien sûr, toute la semaine, vous savez très bien qu'on a live l'après-midi et qu'on a eu zéro souci, hein. Zéro souci. Fin du temps limite. You gotta be kidding. I lost. Mais attends, pourquoi je suis... Sorry. Non. Mais non. Mais non. Y'en a qui va péter un câble. Y'en a qui va péter un câble. Oui, ma chuigée. J'adore ma life. Bon, et vous, sinon ça va? Vous aimez le jeu? Il est beau, hein? Il est super beau en effet, hein. Et j'en parlais, vous voyez, avec Ria. À même débit, hein. YouTube, il a zéro souci. Et avec Twitch, il y a toujours des fois des petits drops. Toujours. Des petits drops. Toujours. Comme quoi. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on était sur YouTube, j'avais pas ce souci-là. Bon, à part des fois quand la 4G déconnait, mais... C'est chiant. C'est chiant. Je vais pas tenir 40 minutes jusqu'à 22h à faire un stream comme ça, hein, je vous le dis. Est-ce que ça voudrait dire... Attendez, c'est un sens inné. Le jeu n'est pas fait pour moi, c'est ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Bug de l'éternité. Vous voulez qu'on s'écoute des musiques? Puisque l'acco est bonne. On peut s'amuser, hein? Bah oui, on peut s'amuser. On peut écouter des musiques. Vous voulez que je vous mette des musiques? Stream de musique. Ouais. De toute façon, vous aurez pas la cam, puisque ça... y a pas d'image. C'est génial, hein. Images perdues. C'est génial, hein.
Je kiffe ma vie. J'aime bien le jeu et c'est mieux avec Twitch. J'en peux plus de tout ça, j'en peux plus, mais bon, comme d'hab. Hein. Bon, on va quand même voir. Alors, je vous commande ce qu'il y a. Il y a écrit normal fin de partie. Donc, je passe. Je suis toujours niveau 1. Je gagne 396 pour mon idée. Pour Jack, 296 points. D'accord. Lightning, 148. Voilà. Je fais page suivante. Voilà. Nouveau record. Je sais pas ce que j'ai. Ok, pas de soucis. Les memories que vous avez, que vous obtenez peuvent être utilisées dans le mode histoire, elles serviront à dévoiler un peu l'intrigue. Ok. Les trésors sortent d'orbes magiques, renforts différentes récompenses, ouvrez ouais, via trésor, il n'y a pas de souci, très bien. Vous avez obtenu des giles. Ok. Vous gagnez un niveau de joueur, Koopo. Vous obtenez une nouvelle aptitude, EX, aspiration. Ouh. Bonjour le retour. Bonjour. Bonjour. Quoi? Mais en fait, c'est n'importe quoi là. C'est revenu. Et moi, c'est ce que me dit le tableau de bord. J'en veux plus. Bah écoutez, on va transformer ce stream en stream FAQ, ça vous va, hein? Bon, de toute façon, vous avez une belle musique en fond, hein? Allez, posez vos questions, je suis là pour répondre. Tout va bien. Ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, avec la courbe que j'ai au niveau du flux, ça fait l'effet yo-yo, vous savez. C'est joli, c'est joli visuellement, on va pas se le cacher. Hein. Heureux, Lagron. On fait une FAQ improvisée, est-ce que Twitch nous chie dessus? Donc, comme on a une mauvaise co avec Twitch, qu'on peut pas liver sur cette bêta, il a l'air comment, le jeu? Très bien. Mais vous le voyez actuellement, le jeu, il est très bien. Ah, je m'étouffe. Je m'étouffe. Je m'en étouffe. Ah. Allez, posez vos questions. On va streamer à... merci Twitch. 190... oh, attendez, ça remonte à... Oh là là. Oh là là, mais c'est magnifique. Fofo va devenir fou, oui. Cof, cof. On se croirait dans FF9. Pardon, je suis étouffé par les lags. Bah écoutez, moi, je suis tout à vous, hein. Soit j'anime le live, on met de la musique ambiante et je vous fais part de mes trouvailles artistiques. Mais ce qui est formidable selon Twitch, c'est que selon lui, le flux est excellent. Excellent, c'est écrit. Excellent. Je vous assure que c'est écrit excellent. Donc je remercie Amazon, je remercie Twitch, je remercie mes parents, je remercie la LDTV, je remercie ma vie, je remercie les modos, je remercie les donateurs, je remercie... voilà. Je vous assure que c'est écrit excellent, excellent. Il y a écrit excellent, tout est vert, tout est parfait, nickel. J'ai déjà le titre de la rediff. Il pète un câble sur la bêta 2. Voilà. Toi aussi, tu as aimé. N'hésite pas à mettre un j'aime. Ah, mais tu mets pas de j'aime sur Twitch. Oh, mais non, c'est vrai. Waouh. 113 kilo-octets secondes. Mais c'est... Oh, putain, j'ai pas bouffé le forfait 4G avec ça. Hein. Moi, je vous le dis. Hein.
Bon, et sinon, on se le prend pas ce jeu alors du coup? Puisqu'on a pu faire deux combats. Vous en pensez quoi? Ah! Ah, c'est écrit instable maintenant, attention. Il s'est enfin aperçu qu'il y avait un souci, attention. 80 kilooctets secondes, waouh! C'est génial. Et en plus, ça sert à quoi d'avoir un boîtier 4G avec 13 mégas? Ouh là 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 là, bien sûr. Bonjour à toi, Bouillie de Pixel qui arrive. J'espère que tu vas bien. Je pense bien des trucs sur Twitch, ouais, moi aussi. Limite level down, il y avait un tout petit peu moins de lag. La taille, ça compte. Quitte à faire DCD en live, autant faire le 012. Ouais. Ce serait aussi joli que la bouillie de pixels que vous voyez actuellement, je suis d'accord. Franchement, ouais. Vous savez quoi le pire ? C'est que j'ai jamais obtenu et j'ai jamais vu un truc avec 48 000 images perdues. 48 000. J'ai jamais vu ça. 48 000. C'est record battu. Tout ce que vous voulez. Et le pire, c'est que je suis pas sur le serveur de Twitch qui est le plus encombré. Hein. Bon, on va relancer une dernière fois. Pour les 30 dernières minutes. Donc je vous dis à tout de suite. En espérant que ça marche. Bonjour! J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette découverte de la bêta de Dissidia Final Fantasy NT. Bien sûr, tout est ok de mon côté. Hein. Tout est heureux et parfait dans ma vie. Et écoutez, pour une fois que tu bats un record, GG, Fofo. Zach, va te faire foutre! Cordialement. Bonjour! Bonjour! Hello! Ah, moi je commence pas si j'ai pas bonjour. Bonjour! On s'enjaille de ça. Je suis désolé pour les personnes qui regarderont la rediffusion jusqu'à maintenant de ce truc complètement nul. Enfin, de ce truc nul, de tout ça quoi. Ça a l'air bon pour les deux prochaines minutes. C'est toujours instable! C'est des gens instables, je vous assure. J'en peux plus.
Vous savez ce qu'on va faire? On va faire une chose ensemble. Non. Je pensais à un truc, mais non. Parce que vous allez voir des informations qu'il faut pas que je dévoile. C'est inconcevable. Il découvre la bêta de Dissidia Final Fantasy NT dans la... avec amour et envie. Vous savez quoi? Je vais me permettre de faire un test. De faire un test directement en live. D'accord? Ping, ok. Donc nous sommes actuellement à peu près, je vais vous dire ça, résultat final. Hein. Nous sommes à peu près 11 mégas en DL. On a 12-01, voilà. Et en up, alors que je suis en live, nous sommes actuellement à 7, ça grimpe encore. 8, attention, ça grimpe encore 10. 10 mégas est obtenu en 11 mégas, tout va bien. T'as sous-estimé les lags. Ouais. Oh là là, mon dieu. Attendez. Attendez, c'est moi ou... S-Gamer envoie une potion anti-lag sur Twitch. Attendez, ça m'a l'air bon là. Attendez, on va en profiter. Hein. Tant que le tableau de bord de Twitch me dit que tout est excellent, allons-y, combat standard. Mais ne serait-ce que quand, depuis que j'ai redémarré le stream, nous avons eu 7000 images perdues, hein. Attention. Ok. Prends Jidan. Prends dans ton équipe. Le chevalier oignon. Et Lightning. Sur le live de Fufu sur Twitch, ça marche bien, pourtant je viens de regarder. Est-ce qu'il est sur le même serveur que moi? C'est peut-être le serveur où j'étais qui avait un souci, hein, c'est possible, hein, c'est très possible. Hein. Mais alors que je suis en live et que je vous ai fait un test, bon j'ai pas pu vous le partager, mais en direct, ça vous prouve ce que je suis en train d'avancer, quoi. Il joue à quoi d'ailleurs, Fufu? Tu valides. Ok. Ah ouais, c'est un personnage rapide, ça je m'en souviens. D'avec le Dissidia, tu dis c'était un peu dégueulasse. Super. Go crush that core, Koopa.
Allez. Boum. Viens là. Attends. Ok, Ramu. Faille. Ok, ok, ok. On n'est pas si mal, hein. Vas-y, attaque. Oui. Non! C'est quoi cette musique? C'est quelque chose. J'arrive pas à savoir dans quel effet. Oui! Mais viens là, toi! Oh là! What? Oui, c'est la musique de combat, mais... Oui, c'est la musique de... Oui, vas-y. C'est bien que les héros, enfin nos compagnons, prennent l'initiative de... Oh là là. Prennent l'initiative d'aller détruire le pilier pour faciliter l'invocation. Attends, mais là, il est presque mort, lui. Première victoire. Looks like I'm doing all the right things. Oui, un bon point du jeu, c'est la fluidité des combats. Ouais, je suis d'accord. Wow, regardez cette récompense. Un rang S. Merci. Ça relague. Bravo. Ok, donc je vais vous dire ce qu'il y a à l'écran. Hein.
Platine, c'est supérieur à or ou pas? Pour la difficulté. Bonne question. Ah, je demande aux connaisseurs. Il y a un rang nommé FF. Je n'arrive pas à accepter le fait que Fofo ait reçu le rang max XD. Oui, je sais que ça relax. Je sais. Je le sais bien. Bon, de toute façon, je vais pas. Éterniser en tout cas la vidéo pour la rediffusion. Bon, en tout cas. Moi, je vous remercie aux personnes qui ont regardé la rediffusion de regarder jusque-là, voilà, de votre patience, c'était cool. Je vais vous faire des bisous et on se retrouve très bientôt. Ciao!